En zone d'insécurité, les convois automobiles sont toujours très vulnérables. Les efforts doivent tendre à l'application stricte des mesures réglementaires de sécurité qui permettent de diminuer cette vulnérabilité et de faciliter l'intervention des éléments réservés. Transmettez au PC. Sommes tombés dans une embuscade à 384, 735. Un GMC hors d'usage, blessé à évacuer. Rebelles décrochent vers le nord. Je repars. Voilà ce qui se passe. Une bande rebelle importante vient de tendre une embuscade au pied d'une sarre. Cela confirme les renseignements que nous avions déjà. Exact. Les 1ère et 3ème compagnies essaieront de rejeter les rebelles sur la côte 709. Les deux sections nomadisantes de la 4ème compagnie sont là. Ordonnez-leur de rejoindre au plus vite le col éditant d'une embuscade. Égrouille-toi, on démarre. Hé, hey, Pharaon ! Mon lieutenant. Alors, progression dispersée dans le bois et ensuite le long de l'Oued Saïd. Quartier. Bien, mon lieutenant. Mon lieutenant. Bon, vous partirez en tête. 3 hommes, 3 voltigeurs de pointe. Et vous, Michaud, vous me suivrez avec votre poste radio pendant toute la progression. Tu es prêt? Oui, j'arrive. Pour être efficace et ne point courir de risques majeurs, l'action ou l'intervention diurne et rapide de cette unité légère en cours de nomadisation est cependant conditionnée par le choix judicieux d'itinéraire camouflé aux observatoires possibles de l'adversaire. Quelle que soit la rapidité du déplacement, celle-ci ne saurait pourtant supprimer le respect des mesures élémentaires de sûreté qui doivent présider à la reconnaissance et au franchissement des points de passage dangereux. Une lisière de terrain boisé ou couvert est nécessairement une limite de bond dans la progression de l'unité. Appelez-moi le sous-lieutenant Pharaon. Mon lieutenant Pharaon, inutile de continuer. Le terrain est découvert et nous sommes en vue du village. Nous continuerons la progression cette nuit. Bien, mon lieutenant. Et passe-moi la gourde. Hé, hey,
Hey, t'es malade, faut pas pousser, y a plus que 2 litres en tout et pour tout. Et de quoi je me mêle? Vous allez la fermer, oui? Les hommes se sont reposés, protégés par les guetteurs. Farron, on va pouvoir repartir. Ben, on fouille pas le village, mon lieutenant. Non, c'est pas la peine, on va se faire signaler et puis la bande est trop loin ce soir. Bien. Pour l'unité en nomadisation, les déplacements de nuit sont la règle pour échapper aux vues de l'adversaire et pour gagner discrètement de nouvelles positions favorables à la mise en place d'embuscades permettant l'observation de jour dans un nouveau compartiment de terrain. Malgré la nuit, le dispositif adopté doit permettre le déplacement en sécurité. Les distances ou intervalles sont réduits pour conserver la liaison à vue. Mon lieutenant, ouais. L'éclaireur de la deuxième section a trouvé un bivouac abandonné. Ah, j'y vais. Voyez, mon lieutenant, c'est ici. Ah oui, en effet. Il y a à peine 24 heures que ce feu est éteint. Et les traces? Pas ici, mon lieutenant. Mon lieutenant. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé des vêtements. Fais voir. Pas de doute, c'est notre bande. Ils ont bivouaqué hier soir ici. Ils ont laissé leurs vêtements civils avant d'aller attaquer le convoi. Il faut aller leur tendre une embuscade, au col. Ils sont obligés d'y passer. D'après le nombre de vêtements, la bande doit être importante. En effet, il vaut mieux prévoir des renforts et l'y porter. Michaud, avertissez le PC. Bien, mon lieutenant. Dès que j'aurai la liaison. Aux deux sections, rendez-vous à la côte 709. Les ordres ayant été donnés à la côte 709 par le commandant de l'unité aux différentes équipes et pièces, après regroupement et étude du terrain, la progression est reprise pour la mise en place du dispositif d'embuscade au point favorable choisi sur l'itinéraire qui semble fréquemment utilisé par l'adversaire. Roméo 1 de Roméo, Roméo 1 de Roméo, parlez. Roméo de Roméo 1, j'écoute. Tu crois que les rebelles vont passer ici, toi? Ils peuvent nous avoir vus. Surtout si tout le monde fait comme toi. Dis donc, c'est une grosse bande à ton avis? Je sais pas, moi. Enfin, si on accroche du sérieux, on aura sûrement du renfort. Espérons. Hé, hey, regarde. L'attente patiente et invisible, la neutralisation discrète d'éclaireurs ou civils qui progressent généralement en tête du gros des forces de l'adversaire, et sur celle-ci, l'action de choc soudaine, précise et brutale, tels sont les facteurs essentiels assurant avec le minimum de pertes le succès d'une embuscade minutieusement préparée et bien montée. Michaud, transmettez au PC.
Avons accroché Fort Banderobel. Demandons d'urgence renfort héliporté. Pas de réponse du PC? Rien pour le moment, mon lieutenant. Lieutenant, faudrait peut-être mieux décrocher parce qu'ils vont finir par nous contourner. Pas question. Il faut garder le contact avec la bande. Terminé. Michaud, Michaud, rien encore? Ventilateur, ventilateur de Roméo, parlez. Ventilateur de Roméo, m'entendez-vous? Parlez. Et si on reste là, on va finir par se faire tourner. Ouais. Roméo de Roméo 1. Ça y est, mon lieutenant, on est pris par derrière. Message. Résultat de l'embuscade. Primo, perte rebelle. 15 tués dénombrés. 20 prisonniers. 30 armes de guerre récupérées, dont un FM. Deuxièmement, pertes amis. 1 tué. 4 blessés à évacuer d'urgence. Stop, F1. Bien pris? Terminé. Voici quelques exemples des fautes qui ont été commises au cours de cette action. Ces hommes somnolent et l'attention s'est relâchée. La sûreté du convoi automobile en mouvement a pour base une activité intellectuelle et une observation permanente des cadres et de la troupe embarquée. Voyez ce pain d'une livre au premier plan. Tout alourdissement dans le chargement est une cause de fatigue supplémentaire pour le contre-guerriero. Ces hommes ont été trop vite, ils sont fatigués. Un sérieux entraînement est indispensable si l'on veut conserver en permanence les moyens intellectuels et physiques nécessaires à la sûreté et au combat de choc. Dans cette position horizontale, l'antenne de ce poste SCR 300 ne permet évidemment pas de bonne liaison radio. Enfin, en l'absence de camouflage, il est vraiment surprenant que cette embuscade ne se soit pas soldée en définitive par une bonne contre-embuscade ou qu'elle n'ait pas été décelée à distance.